Hey, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je trouve une nouvelle vidéo dans le Créer un Sims. Aujourd'hui, on va créer mon histoire. Donc, on va voir si par rapport à ce que je réponds, est-ce que ça va aller. Donc, pour l'âge, je vais mettre une adulte. Donc, je ne suis pas encore adulte, mais voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Les meilleures histoires que je préfère sont se terminent bien, comportent des rebondissements inattendus, sont celles que j'écris. Comportent des rebondissements inattendus. Le réfrigérateur est en panne, qu'est-ce que je fais? J'en achète pas un nouveau, ça c'est sûr. Est-ce que je le répare moi-même? Je pense pas, je m'y connais pas très bien. Je pense que j'appellerai un réparateur. Avant de me coucher, j'ai tendance à donner des notes à des chiens sur internet. Regarder des vidéos de chats. Allumer l'aspirateur robot? Alors non, aucun. Il est une belle ordure. Elle n'est ni en feu, ni rien d'autre de ce genre. C'est là que vous êtes déchets, oui. Qu'est-ce que je pense de l'amour? Je le saurai quand je le ressentirai. Les coups de foudre existent vraiment. Je préfère ne pas m'engager pour l'instant. C'est pas ça ma réponse, mais voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi lorsque je faisais un endroit où vivre? Montrer que je suis riche, avoir de l'espace pour inviter du monde. J'aime vivre en communauté. Non, moi j'aime bien avoir un petit espace très cosy. Je trouve ça trop mignon. Bon, une maison, mais plus qu'un appart, mais voilà. J'ai envie de quelque chose, mais je ne peux pas le payer. Qu'est-ce que je fais? J'économise mon argent, je l'échange contre quelque chose d'autre, je le vole. J'économise mon argent. J'adore aller au parc pour prendre l'air, courir, caresser tous les chiens. Alors, je dirais bien caresser tous les chiens, mais non. Et prendre l'air, en fait, ça dépend des jours, en fait. Le métier que je voulais faire quand j'étais enfant. Aller dans l'espace, travailler à mon compte, fabriquer des robots. Travailler à mon compte, c'est ce que je rêve en ce moment, donc non. Je voulais être vétérinaire, je crois. Non, truc de zoo. La qualité de l'air dans le quartier a empiré. Qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que mon foyer pollue moins. Je travaille avec la ville pour résoudre le problème. Je reste à l'intérieur, que faire d'autre? Alors ça se jouerait entre ces deux-là, mais je pense que je travaillerai déjà pour moi. Parce qu'on va pas dire les choses aux autres si on le fait pas nous-mêmes, quoi. Les fleurs sont particulièrement belles quand elles éclosent dans mon jardin, quand elles sont réunies dans un magnifique bouquet, en hiver quand elles sont mortes, c'est horrible. Moi je trouve soit ça, mais c'est dans ton jardin, c'est joli. Mon type préféré de personne, les personnes bienveillantes, les personnes intéressantes, les chiens. Je sais comment répondre. Ce que j'ai le plus hâte de découvrir l'anniversaire, les cours, les gens, tout, je pense tout. Qu'est-ce que je fais pousser dans mon jardin? Des fruits, des légumes, des fleurs, des mauvaises herbes. Des fruits, des légumes. Bon, c'est pas moi qui m'occupe du jardin, mais ça c'est un secret. Le meilleur nourriture est celle qu'on cultive soi-même. Attrapée avec une canne à pêche, préparée par un chef. Celle qu'on cultive soi-même, je trouve. Quelle est la définition de la réussite? Avoir beaucoup d'amis, être riche, améliorer le monde. Moi je dis améliorer le monde. Alors, déjà je suis pas une fille, ce n'est pas moi. Pas du tout, je vais pas me faire parce que voilà tout simplement, mais du coup on va mettre Cindy YTB. Donc je suis Sims au multiple talent, ok. Je suis perfectionniste, ah ça c'est vrai. Soignée, ça dépend. Mon bureau, enfin non pas mon bureau aussi, mais le bureau que j'ai en bas. Où ma chambre va être tout le temps mal rangée parce que je m'en fiche. Mais en faisant la cuisine, je suis hyper stricte. Je déteste quand elle se fait bien. Quand je travaille là dans mon bureau, là, c'est hyper bien rangé parce que je veux pas que ce soit bienveillante. Ouais. Ça va. En vrai, je suis assez contente. On va voir ce que ça fait. Carrière jardinier. Oh, ça va. Je voudrais en fait être décoratrice d'intérieur. Donc j'aurais préféré celle-là, mais ça va. Compétence écriture. C'est vrai que j'écris beaucoup. Compétence jardinage, enfin, normal. Fond départ, standard. Et bien je trouve que ça me correspond bien, donc déjà on va mettre une fille, et puis on va faire une... je vais créer un petit Sims qui me plaît, et puis je vous le montre, ce sera pas moi, mais un Sims que je trouverai joli, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Et voici la petite Sims. Donc voilà, j'adore les yeux, c'est ce que j'ai téléchargé, donc je vous ferai peut-être une vidéo bientôt sur mes CC indispensables dans le créer un Sims. Et je pense que ces yeux-là, alors c'est vraiment... Et je pense que ceux-là, je vais les enlever parce qu'ils me plaisent plus. Et que ceux-là, mais vraiment, je les trouve, mais juste waouh. Alors, il faut juste que je remette les yeux que j'avais de base. Et voilà. Donc voilà, j'adore. Elle a rien comme maquillage, vraiment.
et je la trouve très très mignonne. Je voulais ce petit vêtement. Alors je sais plus trop ce qu'elle a comme vêtement, donc il faudrait juste que je revoie. Hop, elle a ça avec ça. Elle a ça, ça, ça. Je sais plus ce que je l'avais fait en tenue parce que je sais plus en fait. C'est les tenues faites par le jeu. Ok, ouais, elle en a pas partout quoi. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je la partagerai pas parce que c'est ma petite Sims que j'adore et que je vais garder seulement pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de le liker, de vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!